Bienvenue au paradis. Bienvenue dans ce nouveau vlog à Rodrigue. Comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, on a changé d'île pour venir passer 6 jours sur les îles Rodrigue. Toute petite île qui fait 100 km², qui est encore très sauvage. On est un peu sur les fesses actuellement parce que c'est encore plus beau que ce qu'on avait imaginé. On va vraiment passer une semaine très chill. Il y a notre hôte qui est venu nous chercher à l'aéroport. Il nous a dit vraiment, sur cette île, le mot d'ordre c'est patience et calme. La vue, le lagon, juste ici. Je vous fais un petit tour, la terrasse. En fait, tout est ouvert. Et là, la chambre. Ce vlog risque d'être assez chill. On va surtout se balader, on peut être tranquillou en fait. Mais on va essayer de vous montrer un petit peu toutes les activités qu'il y a à faire ici. On va vous partager tout ça et j'espère que ça vous plaira, que ça vous fera voyager. Ici, le moyen de transport, c'est le scooter. Déjà, il n'y a pas beaucoup de rues. Et tu fais pas le foufou, hein. Non, non, bah. Pas le premier jour, hein. Non, non. Le deuxième. Faut appréhender un petit peu la route. Ouais. Et là, faut que je me mette à gauche. Hein. Ah oui, faut que tu roules à gauche. La fameuse zourite. La spécialité d'ici. Parfois, j'envoie l'amoureux faire des plans. C'est mon poisson, ça. Il vous vlog tous en détail. Papaye. Bon. Ce qui est génial dans cet Airbnb, c'est que l'hôte va nous préparer tous les soirs notre repas. Souvent, je crois que les Airbnb, etc., proposent ce service. Et alors nous, on l'a accepté, bien sûr, comme ça, pas besoin de cuisiner. Et en même temps, on mange local et tradi. Et du coup, je pense vous montrer un peu tous les soirs ce qu'on mange. Vous savez que j'adore manger, que mon mec adore manger, donc on va être les plus heureux. Ce soir, c'est rougail boucané, haricots rouges. Là, c'est une sorte de citrouille. Et là, c'est riz maïs. De toute façon, c'est 18 par 8, je crois. Merci beaucoup. Salut, c'est Gabriel. Ah, d'accord.
Il est 7h30 et on pète la forme. Bonne journée s'annonce. Là, on va aller se balader du côté de Port-Mathurin. On va aller voir s'il y a le petit marché. Le boy, il voudrait se faire aussi couper les cheveux. Du coup, voilà. La barbe. Et la barbe. Et ensuite, on a une tyrolienne à faire, qui est une des petites activités de l'île. Et à 16h, on part en bateau faire un coucher de soleil. Et je retrouve Jeanne, une autre Jeanne, que vous aviez vue dans les vlogs l'année dernière, que j'avais rencontrée à La Réunion. Elle est aussi à Rodrigue cette semaine. Du coup, c'est l'occasion de se faire quelque chose. C'est parti. Ça fait 3 semaines que vous m'avez pas vu avec les cheveux faits. Ça fait trop du bien. Non, c'était cool. C'était très cool. C'était trop expérience. Gentil. Local. Local, ouais. Pour moins de 10 euros. On est tout beau. Cheveux, et... barbe, shampoing. Et gentillesse en plus. Ouais, trop sympa. Après notre folle soirée, poisson du grand large au lait de coco. Ah oui, c'est ça, bread. La folie avec du riz. Et là, elle nous a fait des petits pots de piment parce que je lui ai demandé d'en avoir pour nos repas. Oh là là. C'est le grand jour. Première session de kitesurf. On va bien sûr pas monter sur la planche aujourd'hui, mais on va voir ce que ça donne. Ici, c'est The Spot. T'as mis quoi dedans alors? Du jus cocktail, ouais. Et un petit peu de citron, un petit peu de rhum. Ok, tu veux voir ma réaction en live? C'est léger, inutile. Tu peux en mettre un petit peu plus. J'adore. Ah, tu sais, mon truc préféré, ce que j'adorais, c'est quand on devait faire gauche midi, gauche bloqué à gauche. Trop bon! Merci beaucoup! Moment préféré quand on rentre après une journée. Oui. Vous savez ce que c'est? Oh, des petits muffins. Mais c'est du pain maison ça. Du coup, c'est du manioc avec du poulet. Ils nous ont dit que c'était un plat à l'ancienne. Ouais. Je me suis dit tout à l'heure que vraiment, on s'était mis au rythme de Rodrigue. On est très chill et je vlogue moins qu'au début de la semaine. Je suis pas très contente de moi, mais en même temps, on profite. C'est notre voyage de l'année. Là, on va faire notre deuxième cours de kitesurf. Hier, c'était la séance de découverte un petit peu. C'était que apprendre à manier les voiles. Donc on va voir avec la planche aujourd'hui ce que ça donne. Je sens que je vais me prendre des gamelles pas possible. Ici en tout cas, c'est vraiment l'activité à faire parce qu'il y a des spots super et les conditions sont pas trop dangereuses, pas trop difficiles. Des vacances extraordinaires ici. L'île est sublime. Moi, j'ai connu cette île en parlant avec des gens qui habitent à La Réunion et qui partent en vacances ici. C'est vraiment il y a un an que j'ai entendu parler de cette île. Avant, je connaissais pas du tout. Thank you.
Le cours de kite ce matin, très fatigant ce matin. On a bu de l'eau très salée. Ah ouais, on m'avait dit j'allais boire la tasse, mais là, mais très cool. En vrai, on en refait demain. Je pense franchement, que, moi j'en ai vraiment besoin. Ouais. J'arrive à me lever et j'ai fait 3 mètres, mais c'est pas suffisant. Franchement, on a deux profs trop cool. En fait, déjà, avoir un prof particulier. Ouais. Un jour, une plage différente. Tu fabriques toi. Gaël, mauricien. Mauricien, donc saucisse créole. Chouchou, fais casser le chouchou. Ouais. Ouais. Ça, ce sont pas les lentilles, ce sont les ambrovades et les piments sont là. Ouais. Oui. Par contre, si tu veux goûter le piment de l'arbre, c'est puissant. C'est faisable. Il y a de quoi ? Oui, il y a de quoi. Waouh ! Ah ouais, c'est tout petit. Ouais, c'est pétard. Ah d'accord. Ça, c'est un peu fort. Okay. Le vert là. Un autre. Coupe ça en 4-5. Ok. Et tu la mets dans ta bouchée et ouais. Tu regardes ce que ça donne. Ok, je vais tester. Merci beaucoup. Dernière journée paradisiaque, puisqu'on est en petite excursion en face de l'île Rodrigue. Ça s'appelle l'île aux chats. Et là, on se balade. On va faire un barbecue et kiffer nos derniers moments ici. Et attendez, je vous ai pas dit. Dernière session de kitesurf. J'ai réussi à tirer mes premiers bords, comme ils disent. Et du coup, là, j'ai vraiment ressenti la sensation. J'aime ce que je vois là-bas. Bien les oignons, toi. Hein. Oui. Là, on est quand même oh, mais... sur un top moment là. Ça y est, il est temps de clôturer le vlog. On a un long périple qui nous attend avant de rentrer à Paris. Je sais pas exactement combien de vlogs seront sortis de ces vacances, mais en tout cas, j'ai trop kiffé les filmer. J'espère que ça vous a un petit peu rappelé l'année dernière et que vous avez pu découvrir de nouvelles choses. Et j'ai trop hâte là de faire le montage des vidéos parce que à chaque fois, du coup, je revis le voyage une nouvelle fois. Je suis vraiment une grosse touriste, moi, avec mon t-shirt Rodrigue. Vous voyez ? J'ai aussi acheté un petit bracelet au marché ce matin. Le bronzage, je suis au top. Je peux rentrer, ça y est. On va boucler les valises et y aller. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.